Samedi 27 novembre, Madame, Monsieur, bonjour. Tout de suite les titres de ce journal. Élections locales aujourd'hui. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 8h. Près de 24 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants aux assemblées populaires communales et de wilaya. C'est le dossier de ce journal. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune réagit à la visite du ministre sioniste de la Défense au Maroc. On en parle dans un instant. Covid-19, le variant Omicron aux trentaines de mutations fait trembler le monde. Les scientifiques en savent très peu sur le sujet. L'Afrique du Sud, de son côté, se sent lâchée. Biélorussie, plus de 800 personnes seront rapatriées vers leur pays. Deux nouveaux vols ont été programmés par l'Irak. Donc, nous le disions en titre, dans le cadre des élections locales, les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 8h. Près de 24 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leurs représentants aux assemblées populaires communales et de wilaya, APC et APUI. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a accompli ce matin au niveau de l'école Ahmed Ouroua à Stawali, Alger Ouest, son devoir électoral dans le cadre justement de ces élections. On l'écoute. La citoyenneté est un apprentissage. La citoyenneté n'est pas innée. Et on donne tout le bras à l'abeladiyat, à l'ahzab, à l'ajtama al-madani. Il faut que nous nous aillons à l'abeladiyat. Il faut que nous nous la citoyenneté. Et nous ne nous aillons pas à l'autre. C'est un jour d'intérêt, un jour d'intérêt, un jour d'intérêt, على المستوى القاعدي اعتقد انهم مفروض عليهم يجوا ينتخبوا اذا ما حبش ينتخب الانتخاب ماهوش حق وواجب ولكن ما قدرش نرجعه اجباري. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a également accompli son devoir électoral. Il a voté au niveau de l'école Mohamed Aftouche de Bir Khadem, toujours à Alger. Si Dieu le veut, ces élections aboutiront à l'élection de candidats compétents. Ils veilleront à donner une impulsion nouvelle dans la gestion des collectivités locales, atteindre ainsi le développement escompté et pour mettre fin à une gestion approximative dans laquelle a baigné les collectivités locales depuis plusieurs années. Et c'est aux électeurs d'opter pour la compétence pour provoquer ce sursaut. Rappelons donc que ce scrutin plutôt constitue le couronnement du processus d'édification institutionnelle et devant marquer le passage à une nouvelle gouvernance des collectivités pour imprimer une forte impulsion au développement local. On peut voir sur ces images le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, au moment de son vote. On l'écoute. Madame,
Cet événement est un tremplin pour la mise en place d'un État des institutions et les institutions démocratiquement élues. On peut dire aujourd'hui que le processus a été achevé en attendant la formation de la nouvelle Assemblée populaire nationale très prochainement. Cette journée est considérée comme très importante pour l'Algérie nouvelle, espérant que les électeurs seront en masse et iront aux urnes, car les assemblées communales et wilayales sont en liaison directe avec les populations. Ils veilleront à prendre en considération toutes leurs doléances. Et on le rappelle, un protocole sanitaire a été signé par l'ANI et le ministère de la Santé en vue de prévenir la propagation du Covid-19. Des mesures sanitaires strictes ont été mises en place pour le déroulement du scrutin. Et on rejoint à présent notre journaliste Amine Toutah. Il est en direct depuis Alger Centre au CEM Pasteur. Bonjour Amine, comment se passent les élections ? Au centre de vote CEM Pasteur Alger Centre, les citoyens se sont présentés depuis 8h du matin afin d'élire le représentant au niveau des APC et des wilayas. Ce scrutin se déroule encadré par des superviseurs répartis dans les différents bureaux de vote à l'image de ce centre Alger Centre. Concernant le protocole sanitaire, des mesures préventives ont été prises, notamment la mise à disposition de masques de protection et le gel hydraulique au profit des votants. Et restez branchés sur L24 News pour suivre l'actualité concernant ce scrutin. La visite du ministre de la Défense de l'entité sioniste Benny Gantz au Maroc a fait réagir donc le président de la République Abdelmadjid Tebboune lors d'un entretien périodique accordé hier soir, vendredi, aux représentants de la presse nationale. Un acte hostile, selon le président, le qualifiant d'infâme et déshonorant. Mohamed Amina Berkane. Lors de son entrevue périodique avec les représentants de médias nationaux, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu vendredi soir à réagir sur la récente visite du ministre de la Défense de l'entité sioniste Benny Gantz chez le voisin de l'Ouest. Une visite qui a soulevé un tollé dans plusieurs pays africains qui s'opposent à la présence de l'entité sioniste sur le continent africain. Le président Abdelmadjid Tebboune s'est dit attristé qu'un ministre de l'entité sioniste menace un pays arabe en parlant de l'Algérie à partir d'un autre pays arabe en visant le Maroc, qualifiant cet acte d'infâme et déshonorant. ما تخلق الكيان هذا وزير من هالكيان يجي بلد عربي ويهدد بلد عربي واحد اخر خزي وعار. La visite de Benny Gantz intervient alors qu'Alger a rompu en août ses relations avec Rabat en raison d'actions hostiles du royaume et que le Front Polisario a décidé d'intensifier sa lutte armée contre le colonisateur. Sur la toile marocaine, le hashtag « Le criminel Gantz n'est pas le bienvenu » a fait le tour du royaume en quelques heures. Cette visite qui a donc suscité de vives réactions, la chaîne d'information continue israélienne I24 tente de répondre aux critiques à travers une émission de son service arabe évoquant la guerre indirecte avec l'Algérie. Safwan Ben Sabri. La chaîne israélienne I24 News, qui est basée à Yafa dans les territoires occupés, a invité un expert et journaliste marocain, Saïd Afassi, particulièrement remonté contre l'Algérie, pour évoquer les retombées sur l'Algérie de la signature d'un accord de coopération sécuritaire entre Rabat et Tel Aviv. La chaîne I24 a rapporté que Benny Gantz a visité le Maroc accompagné d'une délégation de hauts officiers israéliens en uniforme. Elle a pris soin de souligner que ce déplacement, le premier du genre, intervient dans un contexte de tension entre l'Algérie et le Maroc et de reprise d'actions armées du Polisario contre le Maroc. Pour rappel, I24 est une chaîne de télévision d'information continue internationale israélienne dont les programmes sont diffusés en anglais, en français et en arabe. Elle a été lancée en 2013 et fait partie du groupe franco-luxembourgeois Altice, qui appartient à Patrick Drahi, un homme d'affaires né à Casablanca et qui possède aussi bien la nationalité marocaine, israélienne et française. Il comptait utiliser I24 comme un instrument de propagande contre la chaîne Al Jazeera, grand défenseur de la cause palestinienne. Drahi est également propriétaire de plusieurs médias français dont L'Express, BFM TV et RMC.
Au Burkina Faso, l'opposition et une partie de la société civile ont lancé un appel à marcher ce samedi pour la paix et contre la politique sécuritaire du gouvernement. Un appel qui survient malgré la suspension de l'internet mobile et l'interdiction de manifester. République centrafricaine, le ministre Hassan Bouba est sorti de prison. Il avait été inculpé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Hassan Bouba avait été arrêté la semaine dernière plutôt par la Cour pénale spéciale. Indignation et consternation du côté de la CPS qui condamne fermement les faits et déplore cette entrave au bon fonctionnement de la justice. Les autorités centrafricaines sollicitées n'ont pour l'instant pas souhaité s'exprimer. Éthiopie, le programme alimentaire mondial, affirme que plus de 9 millions de personnes ont désormais besoin d'aide alimentaire dans le nord du pays. En proie depuis plus d'un an à la guerre, plusieurs États ont appelé leurs ressortissants à quitter le pays. Le conflit a fait plusieurs milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé hier, vendredi, que l'Algérie est un État qui rassemble les belligérants en allusion à la participation de la Syrie au prochain sommet arabe prévu le 22 mars 2022 à Alger. Il ajoute que cette rencontre devrait être unificatrice. On écoute Abdelmadjid Tebboune, le président de la République. إن شاء الله تكون انطلاقة جديدة للعالم العربي اللي راه ممزق نتمنى يكون اجتماع شامل الجزائر ما تكرسش التفرقة تاع العرب هذا هو الهدف الرئيسي تاع الاجتماع احنا دولة دائما نجمع الفرقاء في افريقيا في العالم العربي في حتى في اوروبا دخلنا في امور دخلنا في البلقان دخلنا في هذه صحيح Yémen, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, Hans Grundberg, a appelé la communauté internationale à redoubler d'efforts pour mettre fin aux différends entre les parties au conflit par le biais de négociations. Grundberg a exprimé son inquiétude face à l'escalade militaire à Marib et sur la côte ouest du pays en évoquant le risque d'une nouvelle escalade. L'ONU a estimé dans un rapport que la guerre au Yémen aura causé d'ici fin 2021 la mort de 377 000 personnes depuis le début du conflit il y a près de 7 ans. Covid-19, après les révélations sur la présence d'un nouveau variant, l'Afrique du Sud se sent lâchée, baptisée Omicron par l'Organisation mondiale de la santé et considérée comme source d'inquiétude. Une centaine de cas ont été recensés en Afrique du Sud, mais son origine reste encore inconnue. Les pays du monde entier ferment leurs frontières à l'Afrique du Sud et à plusieurs pays d'Afrique australe. Omicron, donc, aux trentaines de mutations, hautement contagieux et probablement très mortel. Ce nouveau variant a provoqué une onde de choc mondiale. Plusieurs pays européens ont fermé leurs espaces aériens venus de l'Afrique du Sud. Donc, le variant Omicron pose un sacré problème aux scientifiques. Ils ignorent pour l'heure si les vaccins actuels constituent un bouclier efficace contre le variant. Les détails avec Souhila Akilal. On n'entend parler que de lui ces dernières 36 heures. Il s'agit d'Omicron, le nouveau variant qui inquiète le monde. Potentiellement très dangereux et aux mutations multiples, ce nouveau variant sud-africain a, semble-t-il, déjà fait son chemin. Plusieurs pays, à l'instar de la Belgique, du Botswana ou de Hong Kong, ont annoncé avoir déjà détecté au moins un cas sur leur territoire. L'arrivée d'Omicron intervient alors que l'Europe affronte déjà une cinquième vague. Le Royaume-Uni, la France, l'Italie et Chypre ont interdit dès vendredi les vols en provenance d'Afrique du Sud et des pays voisins. Les États-Unis, le Canada et le Brésil ont suspendu les voyages depuis et vers l'Afrique australe pour freiner sa progression. Jugé préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé, ce variant présente un grand nombre de mutations, dont certaines sont hautement contagieuses. En effet, c'est une trentaine de mutations qui apparaissent dans la partie principale du virus et presque une vingtaine dans les autres régions du génome.
Selon les spécialistes, lorsqu'autant de mutations apparaissent, cela peut avoir un impact sur la façon dont le virus se comporte, ce qui pourrait l'aider à éviter les défenses immunitaires de l'organisme. Il pourrait par définition être plus transmissible. À ce stade, les scientifiques ignorent encore si les vaccins actuels constituent un bouclier efficace contre le variant Omicron. Mais les indications actuelles sont plutôt pessimistes. Selon le groupe d'experts de l'OMS, les données préliminaires suggèrent qu'il existe un risque accru de réinfection par rapport aux autres variants préoccupants. Le laboratoire allemand BioNTech allié Pfizer a annoncé étudier ce nouveau variant et attendre au plus tard dans 2 semaines de premiers résultats d'études qui permettront de déterminer s'il est capable d'échapper à la protection vaccinale. Le comprimé anti-Covid développé par Merck est efficace dans le traitement du virus. C'est ce qu'a annoncé l'Agence américaine du médicament, la FDA, dans un rapport préliminaire. L'agence recommande toutefois d'en exclure l'usage chez les femmes enceintes. S'il était approuvé, ce médicament représenterait, selon des experts, une avancée majeure dans la lutte contre la pandémie en permettant de diminuer assez facilement les formes graves de la maladie. Et puis cette décision du gouvernement de repousser l'obligation vaccinale aux Antilles françaises, une décision qui vise à mettre fin aux violences qui ont fait 10 blessés en une nuit parmi les forces de l'ordre. L'obligation vaccinale devait s'appliquer le 15 novembre dans les Antilles, jour où a débuté la grève générale en Guadeloupe. Le mouvement a ensuite gagné la Martinique où la contestation a débuté le 22 novembre. La date de l'obligation vaccinale est également étendue au 31 décembre en Martinique pour l'ensemble des soignants, salariés des établissements de santé et médico-sociaux, aides à domicile et pompiers. Après des pourparlers sous l'égide du président russe Vladimir Poutine à Sotchi, le premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjan Ilham Aliyev se sont accordés pour apaiser leurs tensions et résoudre leurs différends après la guerre qui les a opposés en 2020. Plusieurs épisodes de violence ont éclaté à la frontière entre les deux pays depuis l'instauration d'un cessez-le-feu en novembre 2020 qui avait mis fin à une guerre de 6 semaines ayant fait 6 500 morts. Biélorussie, plus de 800 personnes seront rapatriées vers leur pays. L'Irak a annoncé 2 nouveaux vols pour rapatrier des migrants irakiens coincés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Après 3 opérations similaires ayant permis le retour de plusieurs centaines d'entre eux, plus d'un millier de migrants ont déjà été rapatriés depuis le début de ces opérations le 18 novembre, tandis que d'autres ont été évacués vers des centres d'accueil. Une frégate de type Almaguir 260 de la marine pakistanaise a accosté à Alger. Le ministère de la Défense algérienne a annoncé qu'un exercice a été effectué. Objectif, renforcer la coordination opérationnelle et échanger les expériences. Sofiane Baroudi. Une frégate de type Almaguir 260 de la marine pakistanaise a accosté lundi dernier à Alger pour 3 jours. Le ministère de la Défense de la République algérienne démocratique et populaire a annoncé qu'un exercice conjoint avec les unités flottantes de la Marine nationale a été effectué dans l'objectif d'échanger les expériences et de renforcer la coordination opérationnelle. L'exercice conjoint de type PASEX consiste à perfectionner les capacités de communication opérationnelle et des missions de sauvetage humanitaire en mer. La République islamique du Pakistan est un acteur géopolitique majeur dans l'espace asiatique. Puissance économique centrale, porteur de l'ambitieux projet de la route de la soie en partenariat avec la République populaire de Chine. Le Pakistan du progressiste Imran Khan, ancien athlète de haut niveau et héritier politique de Ali et Benadir Bhutto, est aussi un acteur militaire de poids, disposant de capacités dissuasives et de facultés opérationnelles importantes. Pour rappel, le Pakistan est également un membre influent de l'Organisation de la Conférence islamique, OCI, et un partenaire historique de l'Arabie saoudite. La République islamique du Pakistan, depuis sa proclamation en 1947, est aussi un vivier de la pensée critique au service du Sud global, à l'exemple de l'illustre intellectuel Ahmed Iqbal ou du scientifique de haut vol Abdul Qader Khan. La région de la péninsule indienne fait face à une situation de grande tension, non seulement à la frontière entre l'Inde et la Chine, mais surtout avec l'hégémonie du courant hindouiste fondamentaliste représenté par le BJP, parti au pouvoir à New Delhi.
Le Cachemire est l'une des régions les plus militarisées au monde et la politique de Modi exacerbe la situation et n'aide pas à apaiser les tensions. L'alliance profonde entre l'Inde et l'entité sioniste et les prétentions de New Delhi sur l'océan Indien et la côte est du continent africain finissent de dresser le tableau. L'exercice commun mené en mer Méditerranée par les forces algériennes et pakistanaises peut être lu comme l'illustration d'une reconfiguration stratégique qui promet de bouleverser les équilibres internationaux en grande bifurcation. Retour à Alger à présent pour parler de nouveau des élections locales. Nous avons en direct avec nous notre journaliste Khairedine Betache qui est en direct du Centre international des conférences, CIC, qui est un espace réservé à la presse internationale afin de couvrir les élections locales. Comment est-ce que ça se passe ? Oui, bonjour Fatma. Alors l'Algérie parachève aujourd'hui le processus de renouvellement de ses assemblées élues sous les yeux de la presse étrangère et nationale ici au Centre international des conventions pour justement couvrir ce scrutin en toute transparence, mais également éclairer l'opinion internationale sur les enjeux locaux de ces élections. Alors, le président de l'ANI, Mohamed Chorfi, vient tout juste de quitter la salle après avoir donné un premier point intermédiaire sur la participation à 10h. Deux chiffres à retenir, 4,12% pour les APC et 3,90% pour les APOI. Merci, Khairedine Betache. Je le rappelle, vous étiez en direct avec nous depuis le CIC. Et lors de sa rencontre périodique avec des représentants de la presse nationale hier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé qu'après les élections locales, l'État procède à une série de réformes sur le plan socio-économique. Précision avec Mohamed Wali Ben Chaben. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a promis une réforme socio-économique profonde après les élections locales, visant à améliorer le mode de fonctionnement d'un système performant qui profite aux aspirations de tous les Algériens. بعد ما تهنينا من المؤسسات فضلنا نخليوها من بعد باش نخلي مؤسسات نزيهة ذات مصداقية تتطرق الأمور جوهريا تاع مستقبل الوطن كله. L'objectif primordial de l'État vise à promouvoir l'économie nationale et améliorer le niveau de vie des citoyens. Le président de la République affirme que le caractère social est préservé en Algérie. أنا قلتها وأعتقد أنا المسؤول. الدولة مش غيري أنا قلت إلى أن يرث الله الأرض وما عليها التكافل الاجتماعي يكون في الجزائر لأن هذه وفاء لشهدائنا الأبرار وفاء إعلان أول نوفمبر 54 نبني دولة ديمقراطية اجتماعية. Dans le même sillage, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a indiqué que le caractère social nécessite un dialogue national pour définir les modalités et les objectifs. تكافل ضروري قلت لك لان يرث الله الارض وما عليها ولكن باش تمشي لمستحقيها لازم نقاش وطني وطني ماهوش في برلمان ولا لم تضبط ومازال ما حددناش الكيفيه وشكون وما هي الاهداف مازال ما تحددش عرفت لك سبقت الاوان تاعها هذه من الاصلاحات اللي تجي في 2022 ان شاء الله. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune confirme encore une fois sa détermination à réaliser les objectifs issus de la volonté souveraine du peuple algérien. Sport, football, la Confédération africaine de football s'est réunie en assemblée générale extraordinaire, oui, hier vendredi. C'est avec beaucoup d'optimisme que la CAF aborde les sujets de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun et de l'arbitrage africain. La CAF a également annoncé une création de la Super League. Salah Faisal. À l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue vendredi au Caire, la Confédération Africaine de Football a pris certaines décisions et validé plusieurs projets dont celui portant la création d'une Super League africaine, une nouvelle forme de compétition qui ressemble à la Super League européenne, celle de M. Florentino Pérez.
Le projet européen a été avorté par la FIFA et l'UEFA il y a quelques mois, sauf que les données ne sont pas les mêmes en Afrique, puisque le premier responsable de la FIFA, Gianni Infantino, n'avait pas le même avis, ni les mêmes intérêts. La Super League ou la Ligue X, vu que rien n'a été dévoilé, devrait réunir l'élite d'Afrique avec un objectif précis, qui est d'améliorer la qualité du football africain, générer de revenus pour tous les clubs qui participent ou pas, a assuré Patrice Motsepe. Les patrons des 54 fédérations africaines ont donné leur voix à l'étude de faisabilité pour une Coupe du Monde bénale chaque deux ans. Le projet promet de distribuer plus de revenus aux fédérations. Un argument particulièrement séduisant pour la Confédération africaine de football. Ces votes interviennent à moins d'un mois d'un sommet virtuel convoqué par la FIFA pour discuter le 20 décembre. Sans vote, sa proposition de mondial. Pour les matchs barrages, le tirage serait prévu entre le 22 et le 26 janvier. Les Verts joueront la Coupe d'Afrique en Cameroun dans une édition où le VAR sera présent dès l'entame de la compétition. Culture, c'est dans un palais hors du temps qu'un cercle de femmes tisse un lien fort pour en faire un court-métrage reconnu à l'échelle internationale. On va s'intéresser au film Qardoun, réalisé par Sarah El-Hamed. C'est un sujet signé Amira Bedia. Plasticienne de formation, Sarah El-Hamed est une artiste algérienne. Elle réalise son tout premier court-métrage de 8 minutes 58 qui s'intitule Qardoun, la passation. La passation, cette sorte de mission décernée aux femmes. À l'image, la réalisatrice, avec ses quatre comédiennes, nous parle de ce cercle de transmission entre elles. Elle passe par l'imaginaire pour créer une performance artistique bien réelle. La réalisatrice prend comme socle ce moment de beauté et de rencontre conjuguée au féminin pour le traduire en expression artistique. L'artiste nous parle de la force du lien mystique qui unit toutes ces femmes au Qardoun. Le court-métrage Qardoun, la passation, a été sélectionné dans plusieurs festivals internationaux, dont le prix Toronto International Women Film Festival au Canada et deux en Inde, celui de Cachemire International Film et du meilleur film féminin. Espérons que ces prix mettent en lumière ce genre de réalisation encore peu connu du grand public. Cinéma toujours, souvenez-vous, Hamid Remes était décédé un mois de novembre. De son vrai nom, Mohamed Remes, le comédien et homme de théâtre, aura contribué à des œuvres qui marqueront à jamais le 4e art algérien. Portrait de cet artiste pluridisciplinaire réputé pour sa discrétion, Khaled Mbotach. Le capitaine veut te voir. Enfin, il m'a demandé de vous ramener. Ville de théâtre. Oran a enfanté plusieurs monuments algériens, des spectacles de la scène et du grand écran. Moins connu que les Alloula, Medjoubi et consorts, le regretté Hamid Ramas fait néanmoins partie d'une catégorie de comédiens et hommes de théâtre, restés dans l'ombre de leurs personnages. Metteur en scène et comédien, il aura marqué la mémoire des plus jeunes d'entre nous via une scène banale mais ô combien mythique du cinéma algérien, dans laquelle il jouait le rôle du gendarme qui mettait la main sur le pauvre Hassan Taxi, interprété par Ferwishet, et qui est accusé de trafic de stupéfiants. Mais ses grands débuts, Hamid Ramas les fait sur les planches. Lui, il parlait souvent de ses débuts au théâtre. Donc je vous raconte pour la petite histoire. Alors, au niveau de l'association, lui, c'était un accordéoniste. Il faisait de l'accordéon. À l'époque, c'était l'instrument fétiche. Et lui, il en jouait. C'était son oncle qui lui avait appris à jouer. Il en était vraiment très fier. Et au sein de l'association, il y avait une troupe théâtrale. Donc, ils avaient monté une pièce de théâtre. Et un soir, il y avait un membre de la troupe qui s'est absenté pour je ne sais quelle raison. Et il lui avait demandé, lui, de jouer. Alors, le théâtre, là, c'est la musique. Ils lui ont dit, non, tu peux le faire, on te connaît. Et c'est comme ça qu'il a fait ses premiers pas sur les planches. Membre fondateur de la troupe théâtrale sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, avec entre autres Fellak, Sonia, Mohsen Ammar et Marir Jamel. Entre 1975 et 1976, il intègre le théâtre de Annaba et le Trac de Constantine, sous la direction de Sid Ahmed Dagoumi, en qualité de comédien.
Le grand écran, je pense qu'il a fait ses premiers pas dans le film Hassan Taxi. Il avait donné la réplique à Rouichet, Allah yarhamo. Et je pense qu'il a, joué dans deux productions, de Hassan Nia et Hassan Taxi, voilà. Et bon, il n'y a pas eu beaucoup de participation cinématographique à l'époque. C'était surtout le théâtre. Vraiment, c'était surtout le théâtre. Mais les dernières années, il a participé, entre autres, le film Ben Boulaïd, voilà. Où il était vraiment très, très ravi. Il était vraiment très... très content de participer à une telle production. Il met en scène plusieurs pièces de théâtre, entre autres El Bedla El Bayda, El Biya' ou encore Farja ou Bisma, qu'il écrit lui-même. Grand ami de Salah Ougrout et du réalisateur Ammar Mohsen, Hamid Ramas réoriente sa carrière vers le 7e art, dans lequel il interprète plusieurs rôles, dont des longs métrages comme Le Moulin de Monsieur Favre et Mustafa Ben Boulaïd d'Ahmed Rajdi, Hassan Taxi de Slim Riyad, Aya Hassan et la voisine et archipel de sable de Routi Ben Deddouch, ou encore Rachida de Yamina Bachir Chouir, Voyage à Alger de Abdelkrim Behloul et Parfum d'Alger de Rachid Ben Hajj. J'ai connu Hamid Ramas en 1969 à l'UNADC de Borj El Kifane, où nous avons fait nos études d'art dramatique. Durant notre cursus, il s'était déjà imposé comme un élève comédien avec une prédisposition certaine pour la comédie, intelligent et créatif. Toujours le mot pour rire et d'une grande sympathie qui l'ont fait apprécier par les profs et tous ses amis. Après une dernière apparition dans la série française à succès Le Bureau des Légendes, l'acteur se retire peu à peu de la scène, affaibli par la maladie, avant de tirer sa révérence à Cherchel, où il aura passé le plus clair de sa vie. Repose en paix, l'artiste. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Amel Mziane Zitouni. Ce soir, votre journal du 19h vous sera présenté par Riyad Lahri. Excellente journée sur Al24 News.